Un Africain emmène un jeune garçon à la chasser. Bien qu'ils ne parlent pas la même langue, ils s'entendent bien. Un peu plus tard, Jacques emmène le jeune garçon sur une autoroute. Jacques a le sentiment que quelque chose de grave va se produire. Parce qu'il y a une autoroute, cela signifie qu'il y aura des blancs qui passeront. Et pour rester Marie, il s'est empressé d'emmener le petit garçon pour qu'il parte. Au plus profond de la forêt, Jacques remarque un mouvement dans les bois. Et lorsqu'il le poursuit, il trouve un bison errant. Jacques prend un pieu et se prépare à chasser le bison. Ce qu'il fait finalement. À ce moment-là, on entend des coups de feu au loin et un gros bison est tué par les chasseurs. Ils ne les tuent pas pour le bœuf. Ils enlèvent les parties précieuses de la vache et s'en vont. Jacques regarde les carcasses de bison partout et il est furieux. Jacques tue le bison pour survivre, tandis que l'homme blanc tue le bison pour s'amuser. Le comportement de l'homme blanc avait touché le fond de Jacques. Mais Jacques savait qu'il n'était pas de taille face à ses chasseurs. Jacques est retourné sur ses pas et, pour la première fois, a éprouvé du dégoût à la vue du teint de Marie. Ce jour-là, Jacques n'a pas parlé à Marie. Il est parti en silence. Mais Jacques pensa à la beauté de Marie et ressentit un peu de ressentiment.